Dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés des fonctions. Alors, regardons ici. Quand on parle de propriétés de fonction, de quoi parle-t-on? Parfois, on va vous demander d'analyser la fonction. Analyser la fonction, c'est sortir ses propriétés. Donc, quand on parle des propriétés, on parle du domaine. On parle de l'image. Donc, commençons par sortir ces infos pour cette courbe-là. Eh bien, c'est très simple. Pour trouver le domaine, on a déjà dit, regardez, il y a une vidéo qui était spécifiée sur, rien que pour le domaine et l'image. Si vous avez de la misère, regardez ce cours-là. Il va vous expliquer comment on trouve le domaine et comment on trouve l'image. Alors, le domaine, c'est toujours sur l'axe des X. On lit le domaine sur l'axe des X. D'accord? Donc, j'écris ici, axe des X. Et comment on le trouve? En fait, je regarde l'extrémité gauche et l'extrémité droite. L'extrémité de la courbe, c'est celle-là. L'extrémité gauche, et je regarde son x, parce que le domaine, c'est sur les x, donc c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Et l'extrémité droite, c'est celle-là. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10. Donc, je vais les écrire avec couleur. Donc, j'ai moins 8, 10. Alors, moins 8 est inclus. Pourquoi? Parce que c'est un point plein. Et 10, c'est un point plein aussi. Donc, c'est inclus. L'image, on regarde toujours la plus petite valeur de la courbe, ou bien le point le plus bas. Donc, le point le plus bas, c'est ici. Donc, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, l'image, c'est l'axe des Y. On lit toujours sur l'axe des Y. Donc, c'est moins 4. Et là, on a dit c'est inclus. Pourquoi c'est inclus? Parce que c'est un point de la courbe. Tout point qui est un point de la courbe, qui est à l'intérieur de la courbe, il est toujours inclus. Et puis, le point le plus haut, ben c'est lui. Ça se voit que c'est lui le plus haut. Lui ici, mais il n'est pas plus haut. Et il correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'à 7. Lui aussi est inclus parce que c'est un point plein. Alors, le domaine, l'image. Et puis, on doit trouver l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, je mettrai ici abscisse à l'origine. Ah. L'origine. C'est toujours l'axe des X que j'appellerai XO. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est toujours sur les X. Et comment je le trouve? Eh bien, je regarde tout simplement où est-ce que la courbe touche l'axe des X. Donc, où est-ce que la courbe touche l'axe des X? Eh bien, je vois qu'elle le touche ici. Et ce point-là, c'est moins 1, moins 1,5. Et puis, il le touche où? Il le touche ici. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6. Donc, pour les abscisses à l'origine, je pourrais avoir plusieurs abscisses à l'origine. Il suffit que je regarde la courbe où la courbe touche l'axe des X. Maintenant, je regarde l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine, ou bien YO. Et là, je regarde où est-ce que ma courbe touche l'axe des Y. Eh bien, elle le touche ici, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est là où ma courbe touche l'axe des X. Tout simplement, je regarde les points où il le touche. Et l'ordonnée à l'origine, c'est là où il touche l'axe des Y. Donc, l'autre, ça aussi, on les appelle les coordonnées à l'origine. Parfois, on vous demandera de déterminer les coordonnées à l'origine. C'est l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Les deux, ça s'appelle coordonnées à l'origine. Parfois, on vous parlera de coordonnées à l'origine. Donc, s'il vous demande de déterminer les coordonnées à l'origine, c'est qu'il vous demande de déterminer XO et YO. Ou parfois, on vous les donne. On vous donne les coordonnées à l'origine. Vous dites, les coordonnées à l'origine. Ça, donc, ça veut dire qu'il vous donne XO, il vous donne YO. Donc, ça aussi, on les appelle coordonnées à l'origine. L'autre paramètre ou propriété qu'on étudie, c'est ce qu'on appelle le signe. Le signe, c'est tout simplement dire où la courbe est positive et où elle est négative. Donc, je mettrai ici le signe. Alors, le signe aussi, c'est toujours l'axe des X. Axe 10x. Donc, on doit lire les signes sur l'axe 10x. Et comment je trouve le signe? Eh bien, tout simplement, je regarde l'axe 10x et je regarde, par exemple, donc, je vais faire le signe positif et le signe négatif. Où est-ce qu'il est positif? Alors, où est-ce qu'il est positif? C'est là où la courbe est en haut de l'axe 10x.
il est au-dessus de l'axe dx. Alors, où est-ce qu'il est au-dessus de l'axe dx? Eh bien, je vois qu'il est au-dessus de l'axe dx ici. Je commence toujours de gauche à droite. Quand je travaille avec l'axe dx, c'est toujours de gauche à droite. Quand je travaille avec l'axe dy, c'est toujours de bas vers le haut. Ici, c'est le signe. Donc, ça veut dire l'axe dx, c'est de gauche à droite. Donc, je vois qu'il est d'ici jusqu'à ici. Elle est positive parce que ma courbe est en haut. Donc, je vais écrire, ça c'est moins 8 jusqu'à moins 1.5. Moins 1.5, lui, il est inclus. Pourquoi? Parce que c'est un point de la courbe. L'autre aussi est inclus parce que c'est un point plein. Et puis, où est-ce qu'elle est encore en haut de la courbe? Elle est en haut de la courbe dans celle-là, dans cette partie-là, à partir d'ici jusqu'à ici. Donc là, je mettrai ça, elle est positive ici. Elle est positive ici. Pourquoi? Parce qu'elle est en haut de la courbe. Elle est en haut de l'axe dx. Là encore, elle est en haut de l'axe dx. Puisqu'elle est en haut de l'axe dx à partir de ce point jusqu'à ce point. Donc c'est ce morceau-là qui est en haut de l'axe dx. Et là, ça correspond à quoi? Eh bien, elle correspond à 6. Donc ça va être de 6. Puisque c'est un point à l'intérieur de la courbe, donc il est inclus. Jusqu'à le point le plus à gauche, c'est-à-dire l'extrémité droite, pardon, jusqu'à 10. Donc, elle est positive. Ici, elle est négative. Pourquoi? Parce qu'elle est en bas de la courbe. D'accord? Alors, elle est en bas de l'axe dx. Alors, elle est négative, ou à où? Eh bien, elle est négative de moins 1,5 jusqu'à, ici, jusqu'à 6. Donc, voilà, j'ai trouvé le signe. La dernière chose qu'on doit étudier quand on parle des propriétés des fonctions, donc je vais le mettre ici, c'est ce qu'on appelle la variation. Variation. Et la variation, c'est là où elle est croissante. Donc, je mettrai ici croissante. Ben, je mettrai toujours une flèche comme ça. Vers le haut, ça veut dire croissante. Décroissante. Je mettrai une flèche vers le bas, ça veut dire elle descend. Et puis constante. Et je mettrai une flèche horizontale, tout simplement pour dire que ça ne change pas. La variation, elle aussi, on la cherche toujours sur l'axe 10x. Axe 10x. Alors, je vais enlever cela tout simplement pour plus qu'il ne mélange plus. Et là, je regarde où est-ce qu'elle monte. Je vois qu'elle monte ici et elle commence à descendre. Donc, elle monte, ben, toujours l'axe 10x, encore une fois, on commence de gauche à droite. Dès qu'on parle de l'axe 10x, c'est gauche à droite, l'axe 10y, de bas vers le haut. Donc, elle va d'ici, elle monte, jusqu'à ici. Donc, je vais mettre, elle monte de moins 8, inclus parce que c'est un point plein, jusqu'à, ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à moins 4. Inclus. Elle monte aussi. Celui-là, je l'enlève comme ça, tout simplement pour qu'il laisse l'espace. Alors là, elle monte. Donc, je mettrai une flèche ici. Là, elle monte. Là encore, elle monte. Je revois qu'elle monte ici. Et là encore, donc, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à là. Donc, tout ça, c'est une seule montée. Hein. Il n'a pas descendu, il n'a pas inversé sa descente. Donc, elle monte encore de quoi? De ce point-là. Jusqu'à ce point-là, jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire qu'elle monte de 0, elle continue à monter. À partir de 0, il a entamé sa montée. À partir de ce point-là, il a entamé sa montée, il continue à monter, il continue à monter, il continue à monter, jusqu'à la fin. Donc, à partir de 0 jusqu'à 10. Maintenant, où est-ce qu'il descend? Ben, je vois que c'est ici où il descend. Elle descend, il continue sa descente, et il continue. Alors, là, quand la courbe reste la même, on considère qu'elle monte et qu'elle descend. Donc, la partie où il est constante, on la considérera aussi qu'elle est, c'est une descente. Et on la considérera aussi que c'est une montée. C'est les deux. Donc, on va faire jusqu'à ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, il va entamer sa descente à partir de ce point-là. Ça, c'est moins 4. Ça, c'est moins 8. Et il va entamer sa descente à partir de moins 4. Il va descendre, il va descendre, il va descendre. Même s'il reste constant ici, on va considérer qu'elle descend. Donc, il va continuer sa descente jusqu'à 4. Donc, sa descente, il va être entamé de moins 4 à 4.
Maintenant, où est-ce qu'elle est constante? Elle est constante entre 0 à 4. 0 à 4. Et puis, la dernière chose, c'est le maximum et le minimum. Max et min, c'est ce qu'on appelle les extrémums. Max et min. Alors, la valeur maximale, la plus grande valeur, en fait, c'est 7. Ça correspond à lui. On les a utilisés pour trouver notre domaine. Et la plus petite valeur, notre image, pardon. On a utilisé le maximum et minimum pour trouver notre image. La plus petite valeur, c'est moins 4. Et ça, on les appelle extrémum. Ça veut dire, quand vous entendez extrémum, ça veut dire minimum ou maximum. Extrémum. Donc, voilà pour les propriétés. Ce que vous devez retenir, c'est comment trouver les propriétés d'une fonction. Donc, c'est le domaine, l'image, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, le signe, où est-ce qu'il est positif, où est-ce qu'il est négatif, la variation, où est-ce qu'il est croissante, où est-ce qu'il est décroissante, où est-ce qu'il est constante, et puis les extrémums. Là, je vais tout simplement faire un petit résumé, ce que vous devez savoir sur l'axe des x et l'axe des y, pour les propriétés. Si j'ai le domaine, le signe, la variation, ça veut dire croissante, décroissante, variation, variation, donc ça c'est croissante, décroissante, constante, le signe, positif, négatif, et bien toujours ça, c'est axe des x. Maintenant, si j'ai l'image, si j'ai les extrémums, c'est toujours l'axe des y. Je vais ajouter aussi ici ordonnée à l'origine, le YO, et j'ajouterai ici le XO, c'est-à-dire l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est l'axe des X, l'ordonnée à l'origine, c'est l'axe des Y. Donc voilà pour les propriétés que vous devez connaître. Faites les exercices pour bien maîtriser comment on les trouve. Nous, on va faire d'autres exercices pour que vous sachiez comment les faire. Et si vous avez encore des questions de la mise à, vous pouvez nous contacter.